Et direction tout de suite la grille de départ pour la première course. Avec à l'image ici Ken De Dijker. Ken De Dijker actuellement à la cinquième place du championnat du monde, à seulement un point de Sébastien Pourcel. Ah, la bagarre est assez intense pour le titre cette saison. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux vainqueurs différents depuis le début de la saison. Nous en sommes maintenant à la moitié de ce championnat. Sébastien Pourcel, voilà le vainqueur du dernier Grand Prix. Vainqueur des deux manches en France. Déjà deux Grands Prix à son actif, Sébastien. Sébastien, c'est pour l'instant le seul pilote dans cette catégorie MX1 qui a gagné deux Grands Prix, le Portugal et la France. On voit ici Billy McKenzie qui fait son retour. Il a comme coéquipier ce week-end le Français Steve Boniface qui remplace l'Américain Mike Brown. Mike Brown qui est reparti aux États-Unis et qui va intégrer le team Yamaha of Troy pour les prochaines courses cette saison du championnat donc des États-Unis, un championnat aussi que l'on retrouve sur Motors TV. On a vu également Josh Coppins. Josh Coppins, lui aussi, on attend de meilleures performances en cette fin de saison. Il était plutôt bon justement au Grand Prix de France avec des deuxièmes places, Josh Coppins. Alors forcément, il est en train de remonter au classement. Il est en train de s'entraîner d'une façon différente. Il s'est rapproché un petit peu plus encore de Jacky Vimont, son entraîneur personnel. Il a revu un petit peu sa façon de s'entraîner et on va voir si ça va porter ses fruits. Donc Josh Coppins qui attend toujours une victoire cette saison en Grand Prix. Allez, départ maintenant dans quelques secondes. On voit Sébastien Pourcel à l'intérieur, juste à côté de Billy McKenzie. Allez, départ dans 15 secondes. Ken De Dijker, lui aussi, a choisi la trajectoire intérieure, la meilleure trajectoire sur ce circuit de Tötschenthal. Avec, on l'a vu lors des années précédentes, de nombreuses chutes au niveau du premier virage. Allez, c'est parti! Avec un très bon départ de Josh Coppins sur la Yamaha Rinaldi. On a également la KTM. Max Nagel certainement sur ses terres qui fait un très bon départ ici. Et voilà, c'est Max Nagel, auteur du all shot. Josh Coppins est à la troisième place. On voit Sébastien Pourcel ici. Septième, huitième place pour le Français. Ici à l'attaque avec Billy McKenzie. Quatrième pour l'instant Billy McKenzie. Sébastien Pourcel, vous voyez, très bel extérieur là de Sébastien qui vient de prendre la cinquième place maintenant. Et Sébastien qui le sait, il doit attaquer absolument lors des premiers tours. C'est vrai qu'on l'a vu, de nombreux pilotes sont très rapides sur cette piste. Si on souhaite prendre l'avantage, ça va être dès les premières minutes de course. Allez, c'est parti avec l'Allemand Max Nagel à la première place. Forcément, il attend beaucoup de ce Grand Prix, Max Nagel. Pourquoi pas une victoire sur ses terres. Lui qui n'a pas encore remporté de Grand Prix cette saison, Max Nagel. Et on entend forcément un téléphone allemand qui l'encourage. Nagel en première position, sans souci pour l'instant, et on voit une piste assez sympa, et derrière lui c'est Billy McKenzie qui attaque. Regardez Billy McKenzie à l'extérieur. Oh, l'attaque de Billy McKenzie assez violente là, assez virulente. Billy McKenzie qui s'empare donc de la première place. On voit également un très bon départ du coéquipier, nouveau coéquipier à l'espace de ce Grand Prix. Bien, c'est Steve Boniface qui pilote la case Honda. Le voici Steve, il est à la quatrième position juste devant Sepp Pourcel. Billy McKenzie donc, nouveau leader juste devant Max Nagel. Josh Coppins troisième, Steve Boniface à la quatrième place.
Allez, il attend énormément de ce Grand Prix, Steve Boniface, forcément. Il arrive des États-Unis, il vient là pour se faire remarquer. Il a eu une chance ce week-end, eh bien, c'est d'intégrer le team Kazonda. Alors, rien n'est fait, hein, le contrat à l'année n'est pas signé, mais voilà, c'est une sorte de test. On attend les bons résultats de Steve. C'est vrai qu'avec ce bon départ, il a de quoi faire un bon résultat, Steve Boniface. Allez, c'est bien parti. Billy McKenzie, lui, c'est le nouveau leader de ce début de première manche. Ça a été assez positif hein, pour lui. Déjà la veille, lors des qualifications, avec son troisième temps. C'est vrai qu'il revient d'une légère blessure lors du dernier Grand Prix. C'était en France. Entre les deux, ils ont eu un week-end de break, un week-end de pause. Ici Jonathan Barayan, le pilote KTM. À l'attaque, hein. Juste derrière Alex Salvini, Barayan. Un mauvais départ cette fois-ci pour l'Espagnol. Et Billy McKenzie. Compte à lui. S'est emparé de la première place et a déjà creusé une petite avance sur Max Nagel. Josh Coppins est bien présent à la troisième place. Josh Coppins pour l'instant. Et tous ces pilotes n'ont pas encore gagné de Grand Prix. Hein. McKenzie, Nagel, Coppins, tous à la quête hein, d'une victoire. C'est ce qui va être intéressant avec ce début de course. Les trois premiers en train de chercher la victoire de Grand Prix. Et McKenzie, toujours leader. Max Nagel. Attention, un problème là pour Max Nagel apparemment. Problème mécanique. Max Nagel qui a jeté complètement sa KTM. Image assez surprenante là pour le jeune Allemand. Qui est en train de faire un magnifique début de course. Problème mécanique donc pour Max Nagel dans cette première manche. Assez incroyable là, cette image. Vous voyez un petit peu Nagel qui arrive en bas de cette descente et qui jette complètement sa KTM. Pas forcément la meilleure image possible, mais c'est sûr que on doit être déçu sur la moto quand un problème mécanique de la sorte arrive en championnat du monde. Surtout après ce bon début de manche de Max Nagel. Voilà, donc l'abandon de l'Allemand sur ses terres, c'est sur la déception donc pour Nagel. Et McKenzie qui en profite, il a maintenant de l'avance, Billy McKenzie. Et McKenzie qui n'a pas gagné de manche pour l'instant. Peut-être l'occasion pour lui ici en Allemagne. À l'écart exactement entre McKenzie et Coppins, 3 secondes et demie. Et on voit Nagel qui rentre directement au paddock. Voilà, donc Max Nagel, c'en est terminé pour lui dans cette première manche. On le retrouvera hein, tout à l'heure pour la deuxième course. 7e pour l'instant du championnat, Max Nagel. Il est justement juste devant Billy McKenzie avec 2 petits points d'avance. Ben là, c'est terminé. Pour lui, Billy McKenzie va forcément gagner une place au championnat, prendre cette 7e place à Max Nagel. Allez, McKenzie, Coppins n'est pas loin derrière. Regardez Josh Coppins sur la Yamaha. Et ensuite, la bataille des deux Français, Steve Boniface et Sébastien Pourcel pour la 3e place. Allez, Steve Boniface qui fait un très bon début de course. Sébastien Pourcel à l'extérieur qui semble plus rapide, c'est sûr. Il revient avec sa Kawasaki, Sébastien. Un petit ton plus rapide, hein, Sébastien Pourcel. Il va falloir maintenant trouver la bonne trajectoire. L'ouverture pour doubler à Steve Boniface. C'est vrai que ce début de saison, ce début de course, ce début de saison européenne, on va dire, pour Steve Boniface est plutôt bon. Un top 5 à Saint-Jean. Ici aussi, dans le top 3. Allez, c'est Pourcel qui prend l'extérieur et repointe à l'intérieur qui double. Steve Boniface ici, une place de gagner donc pour Sébastien Pourcel. Steve Boniface est maintenant à la 4e position. Allez, il faut se tirer maintenant
Steve Boniface, il faut essayer d'accrocher la roue de Sepp Purcell pour suivre le bon rythme. Trajectoire magnifique là de Sébastien qui a doublé avec brio Steve Boniface. Dépassement très intelligent où il a essayé de jouer avec ses petites trajectoires extrêmes sur les bords de la piste. Sébastien, voilà, qui est maintenant à la troisième place. Devant lui, Josh Coppins, Billy McKenzie. Et on n'a pas de nouvelles pour l'instant de David Philippertz, le leader du championnat, qui a une nouvelle fois des difficultés dans cette première manche allemande. Et David Philippertz qui avait perdu de nombreux points en France. Daragan, quant à lui, est à la 19e place. Assez surprenant, ça c'est sûr. Allez, on va essayer d'être attentif justement à la remontée de ces deux pilotes. Si on l'a vu passer, Jonathan Barragan justement. On voit ici Julien Bill, Steve Ramon, Tanel Leoc et David Philippertz. Le voici, l'Italien qui est derrière ce groupe. Voilà, Julien Bill à la 5e place. On a Tanel Leoc 7e. Philippertz à la 8e place. C'est Ramon qui a pris la 5e place. Bill est maintenant 6e. Maintenant sur Tanel Leoc, le pilote Kawasaki. C'est vrai que ça va être assez difficile, certainement, d'arriver à trouver sa place après un mauvais départ, puisque tous les pilotes roulent à peu près dans le même rythme. C'est sûr qu'en manche, tout est différent. Le rythme de course n'est pas du tout celui d'un tour chrono. Il y a des conditions de course qui changent, des attardés, des trajectoires qui ont changé. Et puis une facilité à doubler. On voit ici Tanel Leoc sur l'extérieur qui va certainement prendre le meilleur sur Julien Bill. Ça ne sera pas ici. Julien Bill toujours à l'avantage. Tanel Leoc qui recoupe bien les trajectoires. Il est à l'intérieur. Ça ne passe toujours pas. Leoc assez incisif maintenant. David Philippertz attentif lui aussi derrière. Il sait qu'il peut aussi tirer son épingle du jeu. Il n'est pas loin, David Philippertz. Il pourrait peut-être justement profiter de cette bagarre entre Julien Bill et Tanel Leoc. Et Steve Ramon, Bill, Leoc, Philippertz, la belle bagarre pour rentrer dans le top 5. Pour l'instant, c'est Steve Ramon qui est 5e, juste derrière Steve Boniface. Ken De Dijker, lui aussi, il est en train de remonter, Ken De Dijker. C'est vrai que Ken De Dijker a souvent quelques coups d'éclat. Ça peut être un pilote redoutable, Ken De Dijker. Il est pour l'instant à la 5e place du classement, comme je vous l'ai dit, à un point de Sébastien Purcell. Mais il va falloir le surveiller. Il avait fait un très bon début de saison en remportant même l'ouverture de ce championnat à Valkenswaard. Après, ça a été un petit peu plus difficile pour lui. Mais avec son meilleur temps lors des qualifications hier, c'est vrai que Ken De Dijker a une nouvelle fois montré que c'était l'un des pilotes les plus rapides de ce championnat. Et le retour maintenant de Josh Coppins sur Billy McKenzie. Josh Coppins qui est en train d'attaquer Coppins, qui passe même. Ça y est, c'est fait. Coppins, nouveau leader de cette manche. Et Billy McKenzie qui doit souffrir un petit peu de sa blessure. Il a fait un bon début de course dans le bon rythme, mais là, il faiblit, Billy McKenzie. Et Josh Coppins en profite. On a vu Sébastien Purcell pas très loin derrière non plus. Et Josh Coppins, donc, nouveau leader. Il est en tête, Coppins, devant McKenzie, Purcell 3e. Ah, il est pas loin, Sébastien, on l'a vu en fond d'écran à l'arrière-plan. Et Josh Coppins dans un bon rythme, là c'est significatif.
Il a pris assez facilement le meilleur sur Billy McKenzie. Seb Purcell, lui aussi, il faut qu'il revienne, il faut qu'il attaque tout de suite. Ne pas laisser à Josh Coppins s'en aller en tête. Alors on le sait, capable de faire ce genre de choses, Sébastien. Il l'a montré au Grand Prix de France. Il a attendu le bon moment pour doubler ses concurrents qui sont, c'est sûr, généralement très difficiles à doubler. Des Coppins, des McKenzie. C'est vrai qu'il a tendu son temps, son tour à Saint-Jean, Seb Purcell, pour remporter ses deux manches. Il avait fait un très très beau travail. Alors maintenant, c'est sûr, il arrive en confiance ici en Allemagne. Et il va falloir concrétiser là, en tout cas, un très bon début de course pour Sébastien, troisième place. Josh Coppins qui roule ce week-end. Allez, la chute des deux Français, Seb Purcell, Steve Boniface. Les deux Français à terre. Incroyable retournement de situation. Coup de théâtre pour les deux Français qui faisaient un magnifique début de course. Seb Purcell qui repart. Steve Boniface lui aussi qui a percuté la moto de Sébastien. Steve qui était à la quatrième place. Quel dommage pour les deux Français. Tous les deux à terre. Ils vont devoir repartir assez attardés maintenant. Massimo. Allez, là, c'est assez incroyable. On va faire un petit tour du côté des stands, du côté du team Yamaha, Rinaldi. Oui, Josh a fait un très bon départ. Il est parti en deuxième position. Là, il vient de doubler McKenzie. Ce n'est pas si facile que ça, puisqu'il y a beaucoup de trajectoires, beaucoup de bosses. David est parti à la 10e position. Il est de retour à la 6e place. C'est vrai qu'il a la vitesse, mais c'est difficile de doubler. On verra ce qui va se passer. Voilà, pour les impressions, les commentaires du côté de chez Yamaha Rinaldi. Et leur pilote, Josh Coppins, en tête de cette manche devant McKenzie. Ramon est 3e maintenant. Bill 4e. Léoc 5e. 6e place, Philippe Hertz. Où sont les Français, Seb Purcell et Steve Boniface? On a vu des problèmes pour Steve Boniface pour redémarrer sa 450. Ah, les deux Français qui ne sont même pas repartis dans le top 10. Seb Purcell est 12e. Reparti donc hors du top 10. Barragan, lui, est 15e. Il est en train de remonter. Jonathan Barragan, c'est difficile. Et vraiment, quel dommage pour Steve Boniface, qui repart au-delà de la 20e place, hors des points pour le Français Steve Boniface. Et Steve Ramon, quant à lui, il a profité de la chute des deux Français pour prendre maintenant la 3e place. Il est 27e exactement, Steve Boniface. Et derrière, ça attaque avec Julien Bill, Tanel Léoc. Julien Bill qui résiste toujours. Et aucun qui pour l'instant est à la 10e place de ce mondial. À 5 points de Mark Dorover. À 8 points de Billy McKenzie. C'est vrai que c'est très très serré dans ce top 10. Avec des pilotes toujours présents comme Tanel Léoc. Toujours en train de se battre pour le top 10, le top 5. Et pour l'instant, 5e donc Léoc, 4e Julien Bill. Julien Bill, lui aussi, il réussit à deux belles courses avec un Grand Prix de France assez satisfaisant. Et Daniel Léoc, il est juste derrière. Il semble un petit peu plus à l'aise. Il prend des risques en tout cas, Daniel Léoc, il attaque. Les écarts, McKenzie à 2 secondes 9 de Coppins, Ramon à 5 secondes 4 et seulement 6 dixièmes entre Julien Bill et Tanel Léoc. Regardez Steve Ramon qui est en train de remonter sur Billy McKenzie, c'est passé même sans souci pour Steve Ramon. Et McKenzie qui faiblit véritablement. Il a réussi à tenir 10 minutes et ensuite c'est beaucoup plus difficile pour le Britannique.
Alors, il a peut-être la vitesse sur un tour, mais maintenant le physique ne suit plus. C'est vrai qu'il a quelques difficultés après sa blessure du Grand Prix de France où il ne s'était même pas qualifié. Assez étonnant pour un pilote de ce type. Et voilà, donc un parti à la chute il y a deux semaines. Billy McKenzie revient, mais avec quelques difficultés physiques. Steve Ramone, deuxième maintenant. Toujours dans les bons plans, hein, Steve Ramone. Toujours régulier, il est là. Deuxième place, Coppins est leader. Et il reste 17 minutes de course. Plus de tours. Allez, on va essayer de s'intéresser au retour des Français. Philippe Hertz, quant à lui, bute dans la roue de Dyker. Maintenant, il est septième, David Philippe Hertz. Sébastien Pourcel, quant à lui, n'a pas gagné de place. Il est toujours à la 12e position. Barragan est 14e, quant à lui. Et c'est Julien Bill maintenant qui va attaquer Billy McKenzie. Regardez le retour de Ken De Dyker. Incroyable, Ken De Dyker qui est en train de faire une remontée assez fantastique. Il était 10e en début de course. Et regardez, il double maintenant Julien Bill. C'est passé pour Ken De Dyker. Incroyable retour du Belge, Ken De Dyker. Il a doublé Léoc, il a doublé Bill. Il est maintenant dans la roue de McKenzie. Ken De Dyker, hein, c'était le plus rapide des qualifications. Il est une nouvelle fois très rapide lors de cette course. Allez, il attaque maintenant Billy McKenzie très rapidement. Ah, il étonne toujours. Hein. Ken De Dyker avec ses remontées. Il ne lui manque plus qu'un très bon départ maintenant. Et il pourrait jouer aux avant-postes, ça c'est sûr. Marcus Schiffer, abandon pour lui également. C'est dur pour le motocross allemand avec les meilleurs représentants qui abandonnent. Marcus Schiffer, Max Nagel. Et voilà, Ken De Dyker donc, qui a pris le meilleur sur McKenzie. Julien Bill lui aussi qui vient de doubler McKenzie. Il y a juste derrière maintenant Tanel Léoc et David Philippe Hertz. Philippe Hertz qui attaque Léoc. C'est passé pour David Philippe Hertz. Et très très difficile à cette fin de course pour Billy McKenzie qui ne cesse de rétrograder. Allez, il reste à encore un quart d'heure de course plus les deux tours. Philippe Hertz vient de doubler Billy McKenzie maintenant. On va marquer une courte page de pub, on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette première manche MX1. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. E-Press est le théâtre d'une nouvelle manche de l'IRC. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Et de retour en Allemagne avec cette première course MX1 de toute beauté. Pour l'instant, c'est Josh Coppins qui est leader. Il devance Steve Ramone. Juste derrière, c'est Ken De Dyker maintenant. À la troisième place, il est en train de faire un magnifique retour, Ken De Dyker. David Philippe Hertz est en train de suivre l'exemple du Belge. Dans les bonnes positions, il y a également Julien Bill, Tanel Léoc, le voici sur la Kawasaki. Et Billy McKenzie qui, lui, ne peut tenir le rythme. Il était blessé en France, Billy McKenzie. Il a fait un très bon début de course, mais c'est difficile maintenant. Un petit tour du côté du team Honda Martin. Et c'est vrai que Julien Bill veut faire un bon résultat, il est très motivé maintenant. C'est beaucoup mieux qu'au début de saison. Course après course, il fait vraiment des progrès et il fait un bon boulot. Send a big, big, big kiss from all the paddock to Valentina Ragni that she loses his mother this weekend. Ciao Valentina, siamo tutti con te. Ciao, torna presto. Un Italien, Valentino, qui a perdu sa maman, voilà, il voulait lui rendre hommage du côté du team Honda Martin. Une nouvelle chute pour
Jonathan Barragán. Après un mauvais départ, Barragán est à terre. Ah, il était 14e. Hein. Jonathan Barragán en train de faire une remontée. Voilà. Les espoirs sont terminés pour Barragán. Il ne pourra décrocher un top 10 avant la fin de cette course. Ça, c'est quasi impossible maintenant. Difficile pour Barragán. Et au niveau des Français, Sepp Pourcel qui a remonté un petit peu au niveau du classement. C'est vrai qu'il est resté un long moment à la 12e place, Sepp Pourcel. Et tour après tour, il est en train de remonter. On voit ici la bataille pour la 4e place entre Julien Bille et David Philippe Hertz. Voilà, Philippe Hertz à l'intérieur qui double Julien Bille, c'est fait. David Philippe Hertz avec cette plaque rouge, leader du championnat, David Philippe Hertz. Lui qui avait plus de 30 points d'avance au championnat, a eu un week-end noir en France à Saint-Jean-d'Angély avec seulement 8 points marqués. Et il a vu le retour de Josh Coppins, de Sepp Pourcel, de Steve Ramon. Trois pilotes qui sont maintenant derrière lui à seulement 30 points. Tout est encore possible dans ce championnat NX1. Il a de quoi s'inquiéter, justement, David Philippe Hertz. Allez, on va faire un petit point sur les écarts. 5 secondes derrière Coppins, c'est Steve Ramon. 9 secondes, c'est De Dyker. Philippe Hertz est maintenant 4e. Julien Bille 5e. Léoc 6e. Mackenzie 7e. Priem à la 8e position. Et Pourcel, Sébastien qui est 9e maintenant. Il a gagné 3 places, Sébastien. Il est en train de remonter. On va essayer de voir également. Au niveau des autres Français, il y a Loïc Léons à la 18e position. Ah, Loïc qui fait ici un bon Grand Prix. Il continue de rentrer dans les points, de marquer des petits points à chaque Grand Prix, Loïc. L'un des pilotes que vous pouvez retrouver au championnat de France élite notamment. Allez, la bagarre maintenant entre Tanel Léoc, Julien Bille, une bagarre qui continue. Et Tanel Léoc qui ne réussit pas à trouver la ligne qui va lui permettre de doubler Julien Bille. Décidément, pourtant, il semble assez incisif. Il est dans le bon rythme, Léoc. Mais impossible de doubler Bille. Allez, il reste 10 minutes de course. Et Tanel Léoc à l'intérieur, ici peut-être. Julien Bille qui resserre la ligne. Ce ne sera pas ici pour Tanel Léoc. Julien Bille toujours à l'avantage. Léoc qui a tenté ici un dépassement recoupé sur, au niveau du virage relevé. Et Julien Bille qui fait une très belle démonstration. Au niveau des écarts, c'est vrai que c'est très faible entre Bille et Léoc. Ils sont maintenant à 2 secondes de Philippe Hertz qui est en train d'attaquer Ken De Dyker. La bataille, David Philippe Hertz, Ken De Dyker maintenant dans ses 10 dernières minutes de course. Et c'est passé pour l'Italien, David Philippe Hertz qui vient de prendre la 3e place. Et David Philippe Hertz qui montre qu'il est bien prêt physiquement lui aussi pour réussir à doubler ses concurrents dans les dernières minutes, dans les derniers tours. Mais ce n'est pas fini, on sait que Ken De Dyker a le physique lui aussi pour renchérir en fin de manche.
Nathaniel Léoc qui bute toujours hein, derrière le Suisse. Les attaques sans succès pour l'Estonien. Et devant, on l'oublie peut-être, mais c'est toujours hein, Josh Coppins en tête avec 5 secondes d'avance sur Steve Ramon. Et à la troisième place, c'est maintenant David Philippert devant Ken De Lijker. Cinquième place, donc Julien Bill. Sixième, Tanel Léoc. Et Sébastien Pourcel est en train de revenir. Sébastien Pourcel vient de prendre la septième position. Il a gagné 2 nouvelles places, Sébastien. C'est vrai que maintenant, l'écart entre Léoc et Pourcel est assez grand. Donc, ça va être difficile pour le Français de remonter dans ce top 6. Il est 7e pour l'instant, Sébastien Pourcel. Et Coppins qui accroît son avance. Il a 6 secondes d'avance maintenant sur Steve Ramon. On le voit ici, Sébastien, qui a doublé Billy McKenzie. À la 7e position donc. McKenzie est juste derrière. On a Manuel Priem également. Priam qui lui aussi a doublé McKenzie. Edgar Léoc en a profité lui aussi. C'est difficile hein, pour McKenzie, on s'en est aperçu déjà après 10 minutes de course. Et il va falloir attaquer maintenant Sébastien derrière lui. Et il y a 2 pilotes qui sont aussi en forme, Manuel Priem et Edgar Léoc. On connaît Sébastien vraiment très rapide. Il a fait une véritable démonstration le week-end dernier, puisque c'est vrai que tous ces pilotes du championnat du monde avaient un week-end de vacances en quelque sorte. Certains en profitent pour aller rouler dans leur championnat national. C'est ce qu'a fait Sébastien Pourcel. Il était au championnat de France Elite à Ifendic et c'est vrai qu'il a vraiment montré qu'il avait le rythme du championnat du monde, qu'il était le pilote français en MX1 le plus rapide, ça c'est sûr. Peut-être même le pilote MX1 le plus rapide au monde actuellement. En tout cas, au championnat de France Elite, quelle démonstration de Seb Pourcel qui a remporté les 2 manches sur les 3 au total de cette journée, laissant une course à son ami Nicolas Roubin. Non pas par amitié, non, mais c'est que Sébastien avait fait tout simplement une chute en voulant jouer avec Nicolas. Il l'avait laissé passer. Et puis ensuite... voilà, en voulant rattaquer un petit peu, Sébastien avait chuté. Mais ça reste quand même le pilote le plus rapide de cette catégorie MX1 chez les Français. Et Josh Coppins, le leader de cette première manche ici en Allemagne. Et Josh Coppins qui devrait renouer avec la victoire. C'est vrai que... il l'attend, hein, cette victoire de manche depuis le début de la saison. Il était arrivé assez motivé, c'est sûr. Plus motivé, c'était difficile que Coppins. Lui, il revenait pour gagner un titre de champion du monde. C'est son seul objectif à Josh Coppins. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé vraiment comme prévu. Déjà, il s'est blessé en début de saison. Donc, il était un petit peu affaibli en début de championnat. Et puis, il a eu aussi de petits jeunes qui sont... arrivé dans cette catégorie motivé également, prêt à tout pour remporter des victoires. Et c'est ce qui s'est passé. En 7 Grands Prix, 6 vainqueurs. Et pour l'instant, aucune victoire pour Josh Coppins. Celui qui avait peut-être le plus d'expérience dans cette catégorie. Celui qui arrivait peut-être le plus sûr pour remporter le championnat. Lui qui avait l'an passé à la tête du championnat avec 100 points d'avance et qui avait chuté. C'est vrai qu'on voyait bien Josh Coppins très rapidement en tête du championnat du monde MX1 cette saison, bien c'est beaucoup plus difficile que ce que pouvaient penser les observateurs du monde du motocross. Coppins est pour l'instant à la 3e place du championnat et on voit pour l'instant des vainqueurs bien différents à chaque Grand Prix pour celles de Dijker, Philippert, Ramon, Barragán, Nagel qui ont tous gagné des manches. Pour l'instant, aucune victoire donc pour Coppins, mais à 3 minutes de la fin de cette première course, il semble bien parti. Ramon est deuxième, il a 3 secondes d'avance sur Philippert.
ça ne devrait pas poser de soucis pour Ramon de conserver cette deuxième place. Philippe Hertz est en train de revenir tout de même. Le pilote Yamaha Rinaldi. Il le sait devant lui, c'est ses deux concurrents directs au championnat. Copine, c'est Ramon. Il ne faut pas laisser les points s'échapper comme il l'a fait à Saint-Jean-d'Angély. Il n'a désormais que 6 points d'avance sur Ramon, c'est peu. Le championnat MX1, c'est sûr, est relancé depuis le dernier Grand Prix. Regardez Ken De Laeker, il n'est pas très loin lui non plus de David Philippe Hertz. Et c'est vraiment un championnat intéressant. C'est vrai qu'on avait eu l'habitude depuis quelques années à avoir de la monotonie dans cette catégorie MX1 avec un vainqueur durant. On se rappelle forcément de Stéphane Evert qui remportait course après course. C'est désormais terminé tout cela. Une époque révolue. Stéphane Evert est maintenant manager. Il a laissé la place à de jeunes pilotes. Et c'est justement très intéressant puisqu'ils veulent tous gagner des courses, gagner des Grands Prix, se faire remarquer et décrocher le titre mondial. Et de Dyker, pour l'instant, à la quatrième position de cette première manche, derrière Philippe Hertz. Les pilotes qui vont rentrer là dans leurs trois derniers tours. Julien Biff, quant à lui, conserve cette cinquième place. Il est devant Tanel Léoc. Sepp Purcell est à la septième position. Sepp Purcell, ça va être bien trop difficile pour lui de revenir maintenant sur Léoc. Plus de 15 secondes d'avance pour Léoc et 3 tours maintenant. David Philippe Hertz qui fait tout pour remonter sur Steve Ramon. Regardez l'attaque de l'Italien dans ses derniers tours. Il a vu Steve Ramon juste devant lui. Il sait que Steve Ramon est juste derrière justement au championnat. Il ne faut pas lui laisser grappiller ses petits points. Des petits points qui seront très importants en fin de saison. Et il attaque justement David Philippe Hertz. Au prochain passage, nous rentrerons dans les deux derniers tours. Et Ramon voit la menace revenir. Cette menace italienne. Et il est en train de revenir. David Philippe Hertz, attention à cette fin de course. Il y avait 3 secondes d'écart entre les deux pilotes. Ramon semblait hors de portée de David Philippe Hertz. Mais regardez l'Italien qui est en train de revenir. David Philippe Hertz qui revient maintenant dans les deux derniers tours de ce Grand Prix d'Allemagne. Josh Coppins est esselé à la première place. Il fait cavalier seul, mais derrière, attention, pour la deuxième place, regardez Philippe Hertz, il a gagné 8 dixièmes dans l'avant-dernier tour. 8 dixièmes dans le dernier tour, ça fait 1 seconde 6 de gagner en deux tours pour David Philippe Hertz. Attention, il est en train de revenir, il va beaucoup plus vite que Steve Ramon. Allez, nous rentrons dans les deux derniers tours, ça y est, deux tours pour tenter de doubler Steve Ramon. David Philippe Hertz en a bien envie, en tout cas il attaque l'Italien. 1 seconde 6, voilà, lors du dernier pointage, c'est l'écart qui sépare Ramon de Philippe Hertz. Et David Philippe Hertz qui semble encore frais dans cette fin de manche. Ramon, si on connaît un petit peu sa stratégie, il va tout faire pour rouler smooth, conserver cette deuxième place sans s'énerver. Pilote assez incroyable. On a vu Ken De Laeker toujours à la quatrième place. Ici la bataille qui n'en finit pas entre Julien Biel et Tanel Léoc. Décidément, le Suisse aura eu raison de l'Estonien. Il reste deux tours, rien n'est fait tout de même. Tanel Léoc reste très incisif dans la roue arrière de Julien Biel. Tanel Léoc, il attaque Tanel Léoc. Et il recoupe les trajectoires, mais il ne peut doubler Julien Biel. Ah, décidément, cette bagarre aura été vraiment incroyable. Regardez Biel qui prend les bonnes trajectoires, qui resserre les lignes. Il voit, il le sent, ce Tanel Léoc juste derrière lui. Et pour l'instant, pas d'erreur de Julien Biel. Ça, c'est bien. Il arrive
à contenir cette pression que lui met Tanel Léoc. Allez, deux tours maintenant. Ken de Dijker donc à la quatrième place et cette bagarre pour la cinquième place. Toujours Julien Bill, Tanel Léoc. Et Julien Bill qui va faire un très très bon Grand Prix d'Allemagne avec cette quatrième place en première manche. Dernier tour maintenant. Et Julien Bill qui a repris un petit peu d'air maintenant. Ça c'est positif dans ce dernier tour. Il essaie de se mettre hors de portée de la Kawasaki de Tanel Léoc. Le rythme en tout cas aura été soutenu jusqu'au dernier passage. Regardez Léoc qui attaque ici. À l'intérieur, il essaie de se placer. Toujours l'avantage à Julien Bill. Adaptation à la petite erreur là justement du Suisse. Tanel Léoc n'a pu en profiter. Julien Bill toujours quatrième. Léoc cinquième. C'est difficile pour Léoc. Julien Bill meilleur sur certaines parties. À la troisième place, on retrouve David Philippertz qui lui aussi a perdu le contact avec Steve Ramon maintenant dans ce dernier tour. Steve Ramon est deuxième. Il a repris une légère avance. Le voici, Steve Ramon. Voilà, deuxième position et le leader. Le premier, c'est Josh Coppins. On ne l'a quasiment pas vu de la course. Mais Coppins a fait cavalier seul. Le voici, Josh Coppins, le Néo-Zélandais, qui va remporter sa première manche de la saison. Josh Coppins, qui l'attendait cette victoire. Il a dû attendre justement la mi-saison, la mi-championnat, pour remporter une course. Ça y est, la délivrance pour le pilote Yamaha Rinaldi, c'est fait. Dans quelques instants maintenant, Josh Coppins qui passe juste devant les stands. Il n'a plus aucun souci là. Plusieurs mètres d'avance. Il ne lui reste plus qu'à gérer cette fin de course à Coppins. Et voilà, Josh Coppins donc qui devient un nouveau vainqueur de manche. Et première manche remportée pour lui donc cette saison. Belle victoire de Coppins en tout cas. Juste devant Steve Ramon. À la troisième position, on retrouve David Philippertz. Quatrième, c'est Ken de Dijker. Et cinquième, finalement, voilà Julien Bill qui termine juste devant Tanel Léoc. Et à l'image ici, c'est Kiko Chiodi, l'Italien qui roule sur l'ATM. Voilà Tanel Léoc qui en termine. Sepp Purcell à la septième place. Quel dommage, hein, cette chute des deux Français. Sepp Purcell et Steve Boniface qui se sont accrochés. Sepp Purcell donc qui revient finalement à la 7ème position juste devant Manuel Priem, 8ème. 9ème place Edgar Léoc, 10ème De Salle, 11ème Nemeth, 12ème Salvini. Quelle première manche ici pour ce Grand Prix d'Allemagne. Barragan termine 14ème, 15ème place pour Mackenzie qui a rétrogradé. Imaginez, il a perdu 1 minute 11 sur Josh Coppins alors que Mackenzie était en tête de cette manche en début de course. Il n'a pu suivre le rythme, Billy Mackenzie. Et victoire donc de Josh Coppins, impérial ici en Allemagne. Loïc Léonce marque des points, il termine 19e le Français. Par contre, pour Steve Boniface, aucun point marqué dans cette course après son abandon, après sa chute. Steve Boniface, donc 27e. On va le retrouver tout de suite après. Ce sera pour la deuxième manche. Et c'est sûr, on l'a vu, hein, Steve peut faire de bons résultats ici en Europe. Il l'a prouvé en début de course. Il se battait pour un top 3. Malheureusement, il a percuté la moto de Sepp Purcell. Voici les résultats officiels. Coppins, Ramon, Philippertz, De Dijker, Bill, Léoc, Purcell. Donc à la 7ème place. Sepp Purcell, lui aussi, attend de meilleurs résultats. Il va falloir éviter la chute. Sepp Purcell qui était encore capable
de monter sur un podium. Et il reste encore en tout cas une course pour se rattraper. On a vu un bon Philippe Hertz et un Coppens une nouvelle fois surprenant. Après un bon Grand Prix de France et deux deuxièmes places, Josh Coppens est une nouvelle fois présent en Allemagne. Et ça veut tout dire, ça veut bien dire que justement l'entraînement qu'il a essayé de recentrer un petit peu ces dernières semaines, eh bien, porte ses fruits. Alors au niveau du classement du championnat du monde, ça va changer un petit peu, hein, puisque Coppens...